Bonjour mes Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, il fait chaud, hydratez-vous, pensez à vous hydrater, prenez soin de vous surtout. Alors, on va regarder immédiatement général, puis après, ça sera pour en couple ou en relation, et ici célibataire, je les ai déjà battus, celle-ci aussi. Et là c'est mon tarot. Allez hop, je démarre la générale. Prenez que ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon mail pour me contacter, mais vous avez également mon site. Vous pouvez passer directement par mon site professionnel et vous avez les guidances, vous avez les tarifs, vous pouvez bloquer un rendez-vous qui vous convient et régler par Molly ou PayPal. Pour à partir de 70 euros les trois domaines, uniquement parce qu'il y a un tarif, c'est pas moi qui l'impose, mais vous pouvez le régler, vous pouvez régler en 4 fois sans frais. Et moi, il me règle directement 70 euros. Ou alors, vous réglez en une fois. Après, vous avez un domaine, deux domaines, enfin, tout est inscrit sur mon site. Voilà. Et les bijoux Tiffany & Joy, c'est aussi en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez faire un tour et voir, on ne sait jamais, s'il y a quelque chose qui vous plaît pour cet été. Alors, qu'est-ce que j'ai? 2 d'épée. On ne sait pas très bien quoi faire. On est bloqué sur un truc. Là, ici, on est... alors, soit vous êtes dans l'incertitude, dans le doute, mais là, on a besoin de faire un choix, on a besoin de justement se décider, vous voyez, et tant mieux, parce que ici le cavalier d'épée, lui, il court, vous voyez, il est déterminé, à quoi? Au bonheur. Il est déterminé au bonheur. Alors, est-ce que c'est, on fait tout pour son couple, on fait tout pour sa famille, c'est possible, oui, pour réussir, pour tout, mais ça peut être aussi d'essayer de sauver son couple ici, hein. Ça c'est possible. Ok. Alors, ici, il y a une opportunité à saisir et après, ben, on sera heureux, heureux, c'est le bonheur total. 10 de couple, as de pentacle. Il y a quelque chose à saisir ici. Hein. Il y a une opportunité, il y a une réalisation qui va se faire. Oh là là, et puis après, on reprend du poil de la bête, de la force. On est déterminé à réussir de toute façon et vous le pouvez. Alors, oh là 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 là, bonheur total, total, total. Eh, mais on parle aussi de mariage, hein, de fiançailles, de pax ici. Hein. Alors, pour certains de vous, ça va payer, ça va finir par payer, par récolter. Vous avez travaillé énormément pour ça, mais peut-être vous vous dites, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vois pas la récolte, je ne vois pas... oui, vous ne voyez pas la récolte, mais ça va finir par payer, par récolter. Vous allez être comblé, vous allez être satisfait, satisfaite, hein, d'accord? Alors, et vous allez, peut-être que vous faites quelque chose que vous aimez bien, mais que il n'y a pas assez de clientèle, vous voyez? Eh bien là, oui. Alors, ça va venir. Alors, ici, ça va finir par payer en fait, hein. Alors ici, il est possible, je vous disais, oui, il est possible qu'on signe des contrats, il est possible qu'on démarre quelque chose de nouveau, une réalisation. Il est possible également que vous avez un nouveau emploi, ça c'est possible, bien sûr qu'on monte en grade, c'est possible aussi. Mais c'est possible qu'on parle ici, oh là là, on a rencontré quelqu'un, coup de foudre, ou alors... ou alors par exemple mariage, je vous disais, voyez, on va vivre ensemble, vie commune, bébé, enfin tout ça quoi, vous voyez, mais c'est le bonheur total. Allez, je fais mes célibataires, l'échec, la trahison, bah dis donc, c'est pas gai tout ça, hein. Oh là là, qui c'est qui a subi ça? Mais on est quand même encore attiré, il y a des restes par rapport à un ex ou une ex qui nous a fait mal, hein, regardez, hein. Ouais. Bon, ben, moi je parle à quelqu'un ici qui est encore fragile par rapport à un ex ou une ex qui nous a détruit, détruite, qui nous a fait du mal, qui nous a trahi, qui nous a menti, qui nous a fait tomber de haut, hein. D'accord, on a subi un échec ou on est en train de subir un échec. Et là, je parle à mes célibataires qui ont encore une attirance par rapport à un ex ou une ex. Hein, d'accord, c'est pas pour tout le monde, hein, bien entendu. Hein. Là, on est amoureux, amoureuse. Hein. Par contre, pour certains célibataires, là, ici, vous êtes totalement... On sort du célibat. On tombe amoureux d'une personne. Allez-y doucement, mais sûrement, comme on dit. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez.
Là, c'est la nouveauté et on se permet. On discute, on se téléphone, on se lâche plus. On est dans la légèreté, la liberté. On se sent super bien avec cette personne. Hein? D'accord? Et on va dire oui à l'autre. Donc, il y a permission. Il y a justement, on démarre prochainement, vous démarrez une nouvelle relation. Et vous ne serez plus célibataire. Vous sortez du célibat. Alors, pour mes couples ou en relation, la réconciliation, la femme, mais moi je dis que consultante, et là c'est, vous avez les deux polarités, vous avez les deux polarités, donc c'est que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous adaptez, hein. Il y en a un des deux. Bon, on parle de réconciliation. Moi, ça me parle de ça. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, c'est particulier. On parle d'un couple qui s'est réconcilié. Qui s'est remis en couple. Donc, qui s'est réconcilié. Mais il y en a un pour moi qui veut sauver le couple. Et l'autre qui n'est pas sûr du tout. Hein, c'est l'instabilité. Hein. Relation instable, situation instable. On fait le yo-yo, hein. Moi, j'en ai un qui n'est pas sûr. Il y en a un qui veut sauver le couple, qui est sûr que c'est l'amour sincère, l'amour véritable, qui est très attiré, qui aime beaucoup, enfin, qui aime, quoi, qui est fort amoureux, amoureuse. Et à l'inverse, j'en ai un des deux que non, qui n'est pas sûr du tout, du tout, du tout. Et peut-être qu'il ne fait pas les efforts qu'il faudrait exprès, puisqu'on n'est pas sûr. Et on penserait à une tierce personne. Donc, on se pose des questions. Peut-être aussi, est-ce que vous vous dites, voilà, je me suis réconciliée, mais est-ce que je ne devrais pas plutôt arrêter et donner mon énergie à une nouvelle personne? Ou peut-être, entre-temps, quand il y a eu la rupture, avant de se réconcilier, donc, quand il y a eu la rupture, est-ce que vous n'avez pas rencontré cette tierce personne et que maintenant, vous êtes entre les deux? Et vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en couple avec mon partenaire ou ma partenaire, ou est-ce que je donne l'énergie à cette nouvelle personne, puisqu'il y a une attirance, hein, par rapport à cette tierce personne, mais tout de même, on parle de triangulaire. Pour d'autres personnes, on parle aussi de déménagement, d'ouvrir son cœur, les choses bougent et avancent dans votre vie, d'accord? Mais je vous dis, on n'est pas en accord. Là, il y en a un qui veut faire tout, qui espère sauver son couple et qui fait tous les efforts du monde, et l'autre, à l'inverse, qui est complètement dans le doute. Dans le doute, à cause de quoi? À cause de cette tierce personne. Alors, comme ça. Et l'autre, peut-être même, pense... à vivre ensemble, si vous, parce qu'on peut être en couple mais pas vivre ensemble, hein. Ou pense par exemple à acheter un bien immobilier avec vous, ou à déménager pour se sentir mieux, un nouveau départ, voyez tout ça, quoi, et vous ouvre le cœur à nouveau. Mais il y en a un des deux qui n'est pas sûr, qui est complètement dans le doute, dans le doute. Alors oui, on s'est réconcilié, mais qui réfléchit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que bah, on parle de rompre et puis de donner l'énergie, son temps et sa, voilà, sa vie, entre guillemets, hein, à la tierce personne ici. Hein. La rupture. Ouais, mais c'est ça, ça revient à ça. C'est une histoire de temps. Très bientôt, vous allez vous décider si vous allez rompre et rester avec dans votre couple, quoi, ou si vous allez vers cette nouvelle énergie, l'autre personne. Voilà, prenez que ce qui vous parle, c'est une générale, ne l'oubliez pas surtout, s'il vous plaît. Et si vous avez besoin de mes services, si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Et vous avez toutes les infos sur mon site, tout est en dessous de la vidéo, vous avez mon site, vous cliquez dessus et vous accédez sur le site directement. Vous avez mon mail, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.